Haïti sécurité. Importante saisie d'armes à feu et de munitions au port Lafito. Qui sont les coupables? À qui profite le trafic d'armes en Haïti? Nous avons longtemps parlé ici en un matin débat de questions sécurité. Nous avons longtemps parlé dans l'émission matin débat de questions trafic d'armes. Et je dis, si pas de trafic d'armes actif dans le pays, nous pas de autant de gangs dans le pays. On a assisté depuis un certain temps à la prolifération des gangs et vous venez de gangs qui opérationnels presque plusieurs côtés dans le pays. Et gangs ça aujourd'hui a terrorisé la population. Ça veut dire que si gang gagne ses armes que utiliser et gagne tout même si yo gen zam li gen doit pas tan rien mais zam yo c'est avec munitions qui ont servi avec yo. Nous savons dire clairement que gagne un trafic d'armes qui actif dans pays qui très actif pratiquement dans pays. Nous parler de ça et je dis à madame monsieur la société haïtienne en souffre pays a souffri parce que c'est petit pays qui a mouri. C'est petit pays qui a assassiné, c'est petit pays qui a kidnappé. À qui profite ce trafic d'armes en Haïti? À qui profite ce trafic d'armes en Haïti? Hier dans l'après-midi, Port Lafito, nous connaissons Port Lafito, c'est dernier port qui construit après le port que nous connaissons qui est dans le pays. Et Port Lafito, propriété Port Sahara, c'est les Bidjo. Et c'est sous la présidence de l'ancien président Joseph Michel Martelly que les Bidjo te vin jwenn autorisation pour te créer pour ça, pour te construire pour ça. M'a dit tout le monde qui a attendu monsieur Martin débat, Port Lafito, c'est un port privé. Nous faisons analyse déjà ici en sous question port yo dans pays. Sous gagote l'argent qui gagne dans question pour ça yo. Et là encore matin ma banque cloche à monsieur Edouard Bossin dans bataille président Jovenel Moïse a mené aujourd'hui là qui depuis juin 2010 profiter de port là parce que moi toujours dit dans l'émission matin débat saute qui baille imbécile qui pas prend et ben dans cadre réforme yo depuis juin 2010 et ben il était gagné contrôle pour yo et ben il vient accepter remettre en fait l'état haïtien le contrôle en fait pour eux dans pratiquement dans pays. Alors, là madame monsieur n'a parlé pour par là ou bien pour eux pas par là APN 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 OK et mettre les trop tracas trop problème trop misère trop bagarre ouais, OK non mais c'est dans quatre bataille réforme et tout qui fait que le remettre pour le contrôle APN là madame monsieur on parle de 46 millions de dollars américains par année. 46 millions de dollars américains par année c'est on partit dans le secteur privé qui a un contrôle ça depuis juin 2010. Maintenant, Jodian a dit que l'État haïtien récupérait 46 millions de dollars dans le secteur privé. Maintenant, Port Lafito, nous sommes la bataille qui a été gagnée sous construction Port Lafito entre les Bidjo et le groupe Unibank, dont les Bossins. Et bien finalement, donc, les Bidjo, ils ont gagné de cause, ils ont gagné qu'on y a Port Lafito. Madame, monsieur, vous qui écoutez l'émission Matin Débat, Pas gen mois que passé ou attendez gon scandale de saisie dans Port Lafito, de saisie d'armes dans Port Lafito. Mais ce qui est pas ce qui paraît bizarre c'est que yo saisi zam yo dans Port Lafito, il y a jamais eu d'arrestation. Comprenez-vous madame monsieur? Donc c'est pour nous comprendre aujourd'hui dans quelle situation pays aïe. Là on parle de insécurité. Insécurité à li produit, on côté le sorti. Gon côté insécurité à li planifié. L'insécurité sous Haïti, gon côté le planifié, madame, monsieur. Pour qui ça toujours gagne des saisies d'armes qui fait? N'ayons pas dans le pays, pas jamais gagne arrestation. Et ce matin, m'a retourné sous réflexion que nous avons produit ici dans l'émission Matin Débat. Dans l'émission Matin Débat, nous t'ai dit. Nous savons qu'il y a comme situation d'insécurité dans le pays. Est-ce que les États-Unis d'Amérique,
est-ce qu'ils ne sont pas également responsables? Vous qui me suivez là maintenant à Harvard University, dans le cadre de la prochaine conférence, je veux également vous poser la question, vu que même si nous n'avons pas pile bagaille sur le pays, mais dans ça n'a pas les âmes plus ou moins que nous commençons à comprendre. Dans la question gang, prolifération des gangs dans le pays, dans la question trafic d'armes dans le pays, est-ce que les États-Unis d'Amérique pas aussi responsables? Je vais vous dire pourquoi. Je dis, il y a un pays qui est parmi les premiers producteurs d'armes dans le pays, dans le monde entier, les Américains. Madame, monsieur, vous qui suivez cette émission, les États-Unis d'Amérique, c'est 1h30 d'Haïti. En fait, Haïti est donc considéré comme étant le backyard, donc comme la cour derrière, donc des États-Unis d'Amérique. Si Haïti c'est backyard États-Unis d'Amérique, je dis, en question trafic d'armes, écoutez, contrôle Zamio t'a dû faire entre Haïti et les États-Unis d'Amérique. Laissez-moi prendre un exemple. Si c'est en Haïti, côté que Zamio t'est sorti, il était rentré illégalement dans la frontière, dans le port États-Unis d'Amérique. S'il était rentré une fois, il rentré deux fois, je suis certain que le gouvernement américain t'a adressé au gouvernement haïtien pour dire, président haïtien, moi attire attention. En plusieurs fois, nous saisis des armes qui sortent en Haïti, qui rentrent illégalement sous territoire. Vous comprenez, madame, monsieur? Pour qui ça, je dis, il y a toutes les armes dans le pays. Et côté les armes qui sortent en particulier, elles sortent aux États-Unis d'Amérique. Parce que c'est bateau qui sortent aux États-Unis d'Amérique, les arrivent en Haïti, et puis dans le contrôle douanier, et puis elles saisis des armes qui sorti dans bateau qui sorti aux États-Unis d'Amérique. Pour qui ça? Depuis en amont, les Américains n'ont pas assuré que yo gagné un contrôle strict de tout ça qui a rentré en Haïti, y compris les armes. Je dis à monsieur Tébé matin à tout. Si on t'a gagné 1 million de dollars américains la caille aux États-Unis, on t'a mettre un paquet de boîte, moi mettre un bateau depuis dans douane aux États-Unis à ce comme là. Parce que l'Amérique a déjà connu que le cop a déplacé, qui a sorti la Kaili, qui a venu en Haïti. Définitivement. Mais pourquoi ça n'est pas comme ça pour les hommes? Écoutez, madame, monsieur, nous ne sommes pas capables de faire politique deux poids, deux mesures. Ça, c'est la première question. La deuxième question, madame, monsieur, que nous avons débattu ici, qu'on a émission en débat. Qui moun jodia a fait trafic d'âme dans le pays? Hier, il a saisi, le gouvernement haïtien a saisi près d'une dizaine de armes automatiques de gros calibre avec en pile munitions, en pile balles. Je dis à qui est-ce? Et, madame, monsieur, zame yon entre dans le pays, nos moments très fragiles. Côté que kidnapping dans le pays, côté que moun ap mouri dans le pays, côté que gang yon, madame, monsieur, yon opérationnel. À qui profite ce trafic? Qui est-ce qui a fait trafic ça dans le pays? Est-ce que nous j'aime qu'à poser cette question ça? Et si nous avons fait recherche, nous, si nous balle pile maintenant dans tout, ou qu'a ouais que notre trafic d'âme non. Écoutez, madame, monsieur, lorsqu'on parle de trafic d'âme, nous ne pas parler de bar malhéré, de monde qui gagne l'argent. On parle de monde qui gagne cob. On parle de monde qui gagne cob. Parce que pas oublier que pour acheter son âme, pour mettre sous bateau pour venir en Haïti, pour vendre, on parle de monde qui gagne cob. Là où we're talking, on parle de gros business, big business. Et si on a mis une enquête, on va regarder. Et on a même posé la question, est-ce que pas gagner des Américains dans la question de trafic d'âme en Haïti? Ça va nous poser des questions parce que c'est un débat. D'ailleurs, c'est ça qui fait force émission ça. Et c'est nous-mêmes qui avons capté l'émission ça. N'a fait propre jugement par nous sur Haïti. Haïti est un petit pays, c'est vrai. Les gens sont très sympathiques. Mais je dis, les dirigeants de ce pays ont capacité que vous manquez. Parce que, pas oublier, madame, monsieur, je dis, un président de la République, il faut avoir une capacité, ou du moins, il y a un monde qui est premier ministre du pays. Il faut être capable d'écrire. Ambassade américaine, faut être capable d'écrire les États-Unis pour dire, font coup d'œil pour moi, gérer question d'armes, ça, pour moi, qui rentre dans le pays. Parce que c'est pas normal. Pour chaque semaine, pour le gouvernement haïtien, à faire les saisies d'armes automatiques de gros calibre, cap sorti qui va, États-Unis d'Amérique. Loco. Comme certaines capacités pour gagner quand même. Loco.
haïtien que États-Unis kembe nan voyage en Haïti li mete en prison li juge. Ah oui, ah très bien. OK, très bonne réflexion. Ah, écoutez, très bonne réflexion. Maintenant. Très bien. Faut Jean Soudia là nan fait un faut gouvernement haïtien hein cap gérer à États-Unis, y a géré parce écoutez, que quand même ça c'est des bagailles. Yo café. Yo café. Et deuxièmement, zami yo gen mak yo gen numéro. Ah oui, voilà, très bien. Son bagay facile. Li ka li bagay li wet rassemble. La prétrace elle même qui combat une frère qui côté de sortir qui joue et acheter qui côté. Correct, parfait. Parce que pas gen aucun côté, ouais. Même si a fond business, mais depuis yo bay zam nan, y a numéro zam nan, y a meté c'est qui est sur vani. Et pour nan yo acheter son série de films aux États-Unis. Correct. Qui gagne licence pour acheter des armes et comment maison d'affaires. Il y a connaît qui bon, il y a connaît qui bon, qui bon. Il connaît exemple si ça pas fait, j'en saute dire. C'est pour gouvernement haïtien forcé. Nous capable de vraiment entrer dans bataille ensemble avec gouvernement américain. Pour chercher quel problème là. Mais si on tout monde pas intéressé. Très bien. Écoutez. Nous sautons. T'es quoi haïtien qui n'est la main, ou rappelons ou haïtien ça qui est entré avec vous. Oui, avec, ah oui, monsieur, son bon, un bon, bon technicien, un bon soldat. Correct. Et pas, il n'y a pas jugé, et puis prison 20 ans. Très bien. Donc, américain vient ben encore. Est-ce qu'on vous rendez nous? Et pas le juger aux États-Unis. Très bien. Prison 20 ans. Prison 20 ans. Parce que son violation. Très bien. Monsieur fait violation parce que l'entrée examen. Et puis, monsieur fait violation, il prend titre pour l'entrée. C'est pas petite livre vraiment dans l'armée américaine. Bon m'expliquer. Bon m'expliquer à mon capitaine de l'émission matin débat puis bien. M'a rappelé pour nous dire que tu gagne un soldat américain. OK? Un soldat de l'armée américaine d'origine haïtienne. Li quitte États-Unis, il prend avion. Il rentre en Haïti avec un paquet d'armes sous lui. Là il arrive à porte là. Gouvernement haïtien arrêté militaire américain ça. Yo mettel en prison. Maintenant, les États-Unis en collaboration avec le ministère de la Justice haïtien extradé en fait militaire ça. Yo prend militaire là, yo fait l'entrée aux États-Unis d'Amérique. Et ben arrivé aux États-Unis d'Amérique, les Américains l'ont condamné à 20 ans de prison ferme. Parce que il était en train d'Haïti avec des armes. Et bien là-dedans, c'était des armes illégales. Oui. Comprenez bien, madame, monsieur, là, je dis que sous question de armes n'a parlé là, si tu as une volonté réelle, une collaboration réelle entre les deux gouvernements, nous sommes dans la situation, ça, madame, monsieur. Parce que quand des armes sont sorties, sorti États-Unis, puis il faut là-dedans. Quand des munitions sont sorties, ils sont sorties États-Unis, puis il faut là-dedans. Ils ne sont pas sorties en France, ils ne sont pas sorties en Italie, ils ne sont pas sorties en France, ils ne sont pas sorties. Ok. Je dis à qui ça passe là. Parce que une volonté qui va gagner. Ça, c'est le premier aspect dans le débat. Deuxième aspect. Je dis à un monde qui t'a, entre guillemets, dans la politique ou bien dans le secteur privé, t'as commandé des armes de gros calibre pour entrer dans le territoire pays d'Haïti. Pour nous faire qui ça? Ou pas commandé pour la police. Ou pas commandé pour l'armée. Donc, sous commandé des armes de gros calibre, ou venez dans la guerre. Normalement. Donc, ou venez alimenter des gangs dans le pays. Au détriment de qui est-ce? Au détriment du peuple haïtien. Donc c'est pour vous dire, il faut regarder le degré de méchanceté des politiciens haïtiens, des gens qui sont dans le pays, contre Haïti encore. C'est la raison pour laquelle on a toujours dit à l'émission Matin Débat, les vrais ennemis pays d'Haïti, c'est encore des Haïtiens. Maintenant c'est à nous même qu'on connaît comment on a jugé. Ça fait vraiment dit que, madame, monsieur, bataille nous en pile pour nous changer le pays. Et ça fait émission de débat, nous toujours là pour nous dire, ça va galérer pour qu'on comprenne. Mais bataille là en pile. Et dans la question de sécurité, ça, il ne va pas prendre le temps pour nous sortir dans cette situation. Ça. Je vais vous dire pourquoi. Je dis à la police, ça a mené des opérations au niveau de Village de Dieu, également de Grand Ravine. Avant même que la police t'aille à Grand Ravine, les messieurs Grand Avignon ou la police intervenu au niveau de Village de Dieu, mais maintenant tout n'est pas imbécile. Il fait pas. Il pas imbécile. Monsieur Grand Avignon qui est organisé. Sac pour jeter, sac pour rete. Maintenant, la police intervenu Grand Avignon,
Là la police est venue village de Dieu. Moun l'a pas arrêté. Mais est-ce qu'on combien bandi, combien chef gang, combien moun qui dans la gang là qui quitte village de Dieu, qui quitte Gravine, cal établi l'autre côté dans pays avec zam nan meyo. Nous ça dit que je dis là, les qui quitte Gravine, qui quitte village de Dieu, y aller en l'autre côté dans territoire. OK, là on a parlé de 16,000 Madame Messieurs, on a parlé de 16,000 policiers pour toute l'étendue du territoire haïtien. 16,000 policiers, ok, pour toute l'étendue du territoire haïtien. 16,000 policiers pour 12 millions d'habitants. Donc, l'on gang sorti Port-au-Prince établi en province, qui joue pour le faire contre lui. Ça veut dire que l'Ibal prend nous temps pour nous sortir dans ça, nous gagner comme situation d'insécurité dans le pays. Et c'est tout ça pour nous garder. Et c'est tout ça qui mérite pour nous réfléchir sur. À qui profite le trafic des armes en Haïti? L'importante saisie d'armes à feu et de munitions hier au port Lafito. Qui sont les responsables? Où sont les coupables? Quand est-ce qu'on a arrêté? Quand est-ce qu'on a arrêté? Je n'ai quand même. Mais je n'ai pas adressé aux États-Unis quand même. Mais il faut qu'on vele. Pour je n'ai pas faut qu'on vele pour ça. Faut déterminer pour jeune monde. OK, donc son dossier qui était ouvert dans l'émission à débat. Comme ici dans le pays d'Haïti, chaque dossier qui arrivait, chaque problème qui arrivait dans le pays, et puis après 3 jours, on pas attendre de parler de lui encore. Ah oui, c'est et pourtant que l'enquête se poursuit madame monsieur. Et puis c'est gardé, c'est temps d'attendre ou pas jamais entendre parler de ça encore même dans le pays. Ici dans le débat, on a suivi dossier ça. Dossier pour la Fito, qu'on désordre la Fito madame monsieur. Il y a un désordre au port la Fito. Donc ça c'est les armes que nous et si on 4 cap mené fond regarder si pas gagne l'autre contrebande qu'a fait dans port la Fito toujours. Alors le kogon question pour nous poser là, c'est pas pour la Fito seulement bâtiment vini. Mais est-ce que bâtiment même connaît c'est port la Fito l'a débarqué qui fait que nous pas joine zam ça yo dans douane. Oui, c'est toujours pour la Fito. Ou bien c'est Mac. Donc on désordre madame monsieur pour la Fito. Ou bien c'est là yo travaille, yo fait recherche tout bon, yo respecte tout bon, l'autre côté pas faire. Ou bien c'est pour équipe là? Ou bien son monde qui gagne contrôle pour la Fito. Hein? Est-ce que c'est pour la Fito seulement inspecteur douane travail qui fait c'est là toujours l'autre pour yo pas faire du tout. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Ou bien qu'on monde qui gagne contrôle pour la Fito. Parce que madame monsieur il pas normal. Pour saisir dame yon fait dans Port Lafito, ou pas jamais tende yon arrestation. Mais mon foi! Madame, monsieur, son pays que nous gagnons, son pays que nous gagnons à construire. Et pour le faut nous mettre sous table là. Et faut nous discuter de problèmes, madame, monsieur. Si nous voulons avancer justement avec le pays.